rendez-vous pour la case numéro 22. On est le 22 décembre déjà, il ne reste plus que 2 jours avant le réveillon de Noël. Et aujourd'hui, c'est un jour assez particulier parce qu'on est quel jour? Les vacances. Ça y est, c'est les vacances de Noël. Ouais, ça y est, on a fini le premier trimestre de l'école. On espère que ce premier trimestre s'est bien passé pour vous. Pour Corentin et Océane, ça s'est passé comment? Très bien. Très bien, Océane aussi? Ouais. Bon, bah, on espère que vous aussi, ça s'est bien passé. Bah, pour moi, ça s'est bien passé aussi, mon premier trimestre à l'école. J'y suis plus à l'école. Bon. Moi, je suis en vacances presque toute l'année, en fait. Je vais pas à l'école, c'est ça? Bah si, tu nous amènes. Et oui, c'est vacances pour moi aussi, les loulous, parce que bah ça y est, il y a plus besoin de se lever le matin pour aller à l'école. Alors bien sûr, les amis, vous l'attendez tous. On va ouvrir le calendrier de l'Avent, mais juste avant, on va donner le nom de la gagnante qui s'appelle... Inès. Inès, ah bah ça y est, on y est arrivé, ouf. Assuré. Bravo à Inès, bravo à toi, on t'envoie les gros bisous. Des gros bisous, bravo, bravo, bravo. Alors pour ceux qui ont, qui ont pas gagné cette fois, il y aura, je sais pas où il est parti, le bonhomme Tinder, en tous les cas, pour ceux qui nous suivent. Et ceux qui ne nous suivent pas d'ailleurs, vous pouvez voir nos vidéos, il y a un petit bonhomme, un grand bonhomme même, Tinder a gagné, collector, tirelire, donc on en remet en jeu pour, où le tirage se fera demain. Donc, bien sûr, pour participer, on donnera toutes les instructions à la fin de la vidéo, mais ensemble, plus tarder, on va ouvrir les deux calendriers de l'Avent, de Corentin et de Océane. Et bien sûr, la réponse d'hier, c'était combien de cases? 24. Bravo, Inès, tu as trouvé. On a eu de tout. À cette fois, on a eu de tout comme réponse. On a eu 12, on a eu 24, on a eu 6, on a eu... Oula, on a eu plein, 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 plein. Le 2, le 3, le 4, oh là là. Des tutes. Non, peut-être. Alors voici pour Corentin ce qu'il a ouvert, l'âge ouvert. Il commence toujours par le Haribo, Corentin. Donc des Kinder Schnuller. Des Kinder Schnuller. Je sais pas si je prononce très bien, je pense pas. Donc ça, ce sont des gummy version tétine, cravate. Non, ce sont plutôt des cravates, je sais pas. Des tétines. Et oui, Corentin appelle ça des tétines. Donc en minuscule, minuscule, minuscule. Et c'est un peu comme les oursons d'or. Voilà, pour le Haribo. Alors, Océane, elle a ouvert son calendrier My Little Pony. Elle commence toujours par My Little Pony et a toujours du mal à l'ouvrir. Ouais, qu'est-ce avec des outils. Et Corentin, Playmobil. Bah, tu peux peut-être ouvrir tes outils. Ah oui, des Playmobil, c'est tout. Alors, Océane, elle a ouvert son truc et elle a besoin d'aide, comme d'habitude. C'est ouvert. Attends, ma loulou, je t'aide. 3, 2, 1. Ah, j'ai mis le doigt dedans. Ça tourne mal, ça tourne mal. Hop. Ah, ça y est, je peux le prendre. Ouais, super, merci, merci, merci. Alors ça y est, on y est arrivé. Non, sans mal à enlever ce super gloss pour les lèvres My Little Pony qui est violet. Alors bien sûr, j'ai mis les doigts dedans en retirant, voilà, il est... C'est un super beau violet. Un peu mat. Pour de vrai, c'est des super beau. C'est des tototes, regardez. Ah, bah pour Océane, c'est pareil que Corentin dans le calendrier. Haribo, c'est pour la paix, pour les grands et les petits. On dirait des sucettes, mais non, c'est des tototes, regardez. Une tototes. C'est quoi une tototes? Une tototes. Une tétine. Je pense que ce sont plutôt des cravates, mais bon. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt pour ces bonbons-là. Alors, attention. Team tototes. Une team cravate. Moi j'irais plutôt des cravates que des tototes. Hein. Mais bon, de vous qui voyez, bah, vous nous le dites. Regardez, hashtag team totote ou hashtag team cravate. Voilà. Il y a deux. Là. Ah, tu crois? Moi je sais pas. Moi c'est team cravate. Et toi c'est team totote. Et Corentin c'est team quoi? Tétine. Ah, lui c'est team tétine. Ah bah non. C'est team totote ou team cravate. Donc t'es totote toi. T'es totote, t'es pas totote. Voilà. Et bon, toi, tu t'en fous en fait de ce que je dis, c'est ça? C'est ça? Ouais, ouais, d'accord, bon, bah c'est dit. Non, tu t'en fous pas. Ok. Alors, les loulous. Oula, mais j'ai rempli ça. Alors, les loulous, pour Corentin, c'est une boîte, une caisse à outils avec dedans. Donc, un tournevis. Un tout petit tournevis. Je vais la vider, loulou. Un marteau. Il a galéré pour le tour rentrer dedans. Moi, je vais tout vider. Allez, hop. Une clé plate, une
perceuse, dévisseuse. Enfin, sèche-cheveux aussi, si on veut. Mais c'est pas pareil. Une clé à... molette. Molette, ah, bravo ouais, Et une scie à bois. Mais sérieux, t'as dit qu'on dirait un sèche-cheveux. Mais si tu te le fais sur la tête, tu te fais un trou dans la tête. Ah ouais, non, ouais, c'est pas conseillé de prendre une perceuse pour se sécher les cheveux, t'as raison, Quentin. Et puis, bah, bien sûr, la petite caisse à outils qui maintenant est vide. Alors, Quentin, tu vas pouvoir la re-remplir. Bon courage. Alors, les loulous, eh ben, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Vous posez une question, une petite question. Alors, je sais pas ce qu'on peut vous poser comme question. Est-ce que vous avez une idée? Ah, le chien vient de dire qu'il avait une idée là. Non? Non, pas d'idée? Ouais, vas-y. Ah, c'est toujours aussi une idée, hein, vas-y. De quelle forme est les bonbons? Ah là non, parce que bah, ça peut être deux réponses différentes. Ah non, là je suis pas d'accord. Parce que les bonbons, on sait pas si ce sont des tops ou si ce sont des cravates. Alors attends. Des tops. Je vais poser une autre question, moi. Alors attention. C'est là, c'est un peu de la. Ah. Alors attention. Combien? On n'a pas dit le nom. Ah oui, ah oui. Combien on a de cases à ouvrir jusqu'au réveillon de Noël? Ah, combien de restes de cases à ouvrir jusqu'au réveillon de Noël? Bon, bah voilà. Bon, bah c'est pas ça que je voulais poser, mais voilà la question d'Océane. Combien de cases reste-t-il à ouvrir? Non, ce serait mieux le nombre d'outils que j'ai eu. Ah, alors, qu'est-ce qu'on dit? Le nombre d'outils? Allez, va pour Corentin parce qu'il pose jamais la question. Bah oui. Donc alors, combien d'outils y avait-il dans la caisse à outils de Corentin? On n'a pas dit le nombre, mais c'est à vous de compter. C'est à vous de compter. Bon courage, bonne chance. Alors bien sûr, pour participer, il faudra répondre où? Dans les commentaires. Loupé. Dans le message qui s'affiche en bas. Le mail qui s'affiche en bas, ici en bas. Il va y avoir un petit mail là, qui s'affiche. Donc il faudra répondre à la question suivante. Combien il y a d'outils dans la caisse à outils que Corentin vient d'ouvrir? On vous souhaite bonne chance. Bien sûr, il faudra être abonné. Donc si ce n'est pas déjà fait... abonnez-vous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis dites-nous dans les commentaires si aussi si ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao ciao. Ciao ciao les amis. Ciao ciao. Et...